gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? Salut tout le monde, c'est Simulator 28, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 pour épisode 4, ouais 4, de la carrière suivie sur la campagne agricole. Donc aujourd'hui on va mettre des patates en palox. Accélère, voilà. Donc ces palox viennent tout droit du site TPMP, enfin du forum. Non, c'est un site. Le site TPMP, donc Team Modding Portugal, ou donc aussi c'est BSDAS Modding en fait partie. Donc Killer Croix a présenté ses palox, ça fait beaucoup de personnes mais c'est pas grave. Il les a présentés ce matin, donc je les ai vus et puis bah simplement j'ai téléchargé parce que c'est juste trop bien. Donc vous avez les palox dans la catégorie palette, donc regardez juste le. Là, voilà, donc là pour les pommes de terre, pour les patates, c'est le même prix. Voilà, donc après la fourche est dans, non, télescopique, elle est là, fourche à palette. Et puis bah moi j'ai loué un petit télescopique, où j'ai acheté, ouais mais de toute façon c'est comme si il était loué, parce que je vais le rendre après. Ou, donc, faut que je voie si les palox on peut les prendre avec des fourches normales, enfin des fourches normales. Des fourches de tracteur quoi. Si oui, eh ben c'est nickel. Sinon, bah, faut que je trouve un vieux télescopique. Et puis faut que j'y mette cette fourche là. Donc, voilà. Et oui, donc les palox sont super parce que c'est pas comme dans le 13 ou le 15. C'est pas des palox comme des bennes. Là, vous pouvez tout mettre dedans. Vous voulez mettre des bouts de bois, vous pouvez. Non, s'il prend comme ça. C'est-à-dire, vous coupez un arbre, vous n'avez pas envie de ramener une benne, vous avez juste votre télescopique qui est libre, et bien vous prenez un palox, cette fourche-là, et vous allez faire du bois. Ça, c'est le top. Aussi pour le bois de chauffage, pour le ranger. Ouais, ça les prend comme ça. On va quand même l'attacher, parce qu'avec cette fourche là on peut l'attacher, mais ah bah oui. Ouais, du coup avec le tracteur ça devrait pas faire, ça devrait pas poser de problème. Je vais en mettre que 6, on va le mettre sur deux étages. Donc, je vais faire le premier étage avec vous, bon là il n'y aurait plus que 2 mètres, ça va aller relativement vite. Après je vais faire une coupure. Je vais charger le reste. Hop, j'ai chargé le reste. Et comme ça on va faire le voyage ensemble, on va les charger, puis voilà. Alors juste il faut que je joue un godet. Ah ouais non c'est moins pratique comme ça. Chef, ça a ripé. Hop, on va essayer d'aborder le plateau. Hein. Putain! En plus, ils sont dételés. Bon, hein, c'est pas. Bon. Ça vous montre qu'il faut pas les prendre comme ça. Hein. Ouais, c'est bien là, de faire ça. Moi, je galère et vous galérerez pas. Voilà. Si ça vous arrive, vous êtes vous. Oula. Ah, c'est en vrai le palox il était en 2. 1000 euros le palox ça m'aurait pas plu. Parce que le palox coûte 1000 euros. Enfin vous avez dû le voir ou je vous ai peut-être dit je sais plus. Hop. 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 Et voilà. Hop on allonge. On ramène. Et mais du coup à ranger dans le hangar ça va être grave galère comme ça. Bah ouais. Alors que je prends un télescopique volé de l'FT Modding.
Et voilà. Si. Voilà. On rattrape ça. Nickel. On va aller repousser les autres et on va se laisser là. Pas pour la vidéo, je suis coupé. Hein. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Et puis, bah tout de suite c'est tout. Allez, tout à l'heure. Bon les amis. Alors, donc j'ai fini de charger tout. Je me suis rendu compte d'un truc qui était pas trop cool. C'est que ça lock pas. C'est pas considéré comme des ballots ou des palettes. Du coup, ça va être relativement la merde. Alors, attendez, on va quand même regarder. Elle, là on a mis les sangles. On va bien voir ce que ça donne. Allez, j'espère que ça tient pour une autre tour à ramasser sur la route. Oh! What? Bon. Oh! Le mieux c'est de mettre tout ça dans une benne. On va arriver là-bas tant bien que mal. Tourne en plus. Plus les espèces de petites bits là, ils sont en collision. Attends, vous savez comment on va faire. Fais attention quand même avec ces blocs là, vu qu'il lock pas sur un plateau. Ouais, est-ce que c'est mon plateau ou est-ce que c'est les blocs? Je pense plutôt que c'est les blocs. Bon, écoutez, je pense qu'on va en prendre quelques-uns, ceux-là, enfin ceux qui veulent rester, parce qu'à mon avis on va rebainer. Ceux-là, on va les ranger. Les autres, j'aimerais chercher en vidéo. On va laisser le plateau là. Voilà. Maintenant, on va mettre le godet là. La fourche, on va la mettre. On va la mettre là. On va tel le godet. Attends, j'ai vu un truc. Non! Oh! Qu'est-ce qu'on fait chier depuis le début? Ah, c'est... On peut les accrocher comme ça, les palox. Ah, ça, c'est nickel. Vous voyez, comme ça, vous venez là. Ah, nickel. Je vais les ranger là. Après, ils seront décalés dans le fond. Oh, mais c'est nickel! Vous avez vu ça? C'est top. Heureusement que j'ai regardé la vidéo parce que sinon. Donc on va quand même regarder si on peut les charger. Les charger nous-mêmes au godet. Bon, je pense que oui. Ah bah si on peut les attirer comme ça va déjà être beaucoup plus simple. Un godet. Par contre, j'ai pas vu combien il prenait en capacité. On va prendre un godet entier. Hein.
4 tonnes 5. Toujours pas corrigé ce bug que les gosiers ils se remplissent qu'à 99, 80, ouais, 99%. Attendez, j'ai bien le micro d'allumé. Ouais, c'est bon. Ah ouais, ils se remplissent comme ça aussi. Ah, c'est le top. Ils doivent prendre que 3 tonnes les machins. Bof, c'est pas mal. Ah non, 2 tonnes 5. Bof. Eh, 2 t'en fais 5 tonnes quoi, c'est déjà bien. Bon, là il me plaisait un peu moins, mais là le fait qu'on peut les attacher comme ça, c'est pas du tout réaliste. Mais au pire, on est dans un jeu. Voilà. Ah non, ça me plaît, comme ça je pourrais aller chercher comme ça sans la fourche. Est-ce que le trigger il est de côté au moins pour les attacher? On va regarder ça. Détache là. Ouais, il va falloir que j'essaye avec un petit tracteur de les attacher. Et au pire on va essayer ça en vidéo. Ah non, il est que d'un côté, tiens. Ah ça, faites attention. C'est d'un côté le trigger. Ouf, 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 ouf. On détaille, détaille. Voilà, hop. J'ai voulu tenter un truc, mais non, le faites pas. Donc le trigger pour attacher. Attendez, même on va regarder. Ouais, donc là on a bien. Je vais vous montrer comme ça. C'est plus simple. Donc là, ouais, on a bien le truc pour charger. Alors le trigger. Ça, moi, j'y vois jamais le trigger. Alors, c'est quand t'es dedans. Allez, on voit bien le rectangle. Ouais, on va 1. Voilà. Bon, j'ai coupé la capture. Mais là, je viens de la reprendre. Donc, juste à l'instant, je me suis rendu compte, c'est bon. Je vais te faire F5, j'ai fait F6. Et ouais, quand on les remplit comme ça, on n'arrive pas à les avoir entiers. Alors quand on les remplit au godet, on les a entiers. Bah remplissez-les au godet en fait, c'est mieux. Bon, moi je m'en fous, c'est juste pour faire de la place, mais après moi je vais tous les re-remplir au godet. Tester avec un tracteur, autant tester pour aller en rechercher. Ouais, donc si vous voulez aller vite, chargez-les comme ça et vous perdez quand même quelques kilos. Puis bah, moi j'aime pas trop, ça fait pas une charge, ça fait pas un chiffre rond quoi. Mais ouais, moi j'y recharge après. Bon, je vais faire un... j'ai place un peu n'importe comment, je m'en fous. Ça stoppe le machin. Ça. Hop. Voilà, c'est de l'autre côté. C'est mon côté. Pire le temps qu'on y est. Bon là je pense que ça va être les derniers. Après de toute façon j'ai encore un champ à faire. Donc ouais, je ramasserai la benne et puis je mettrai un palox après. Il manquerait plus qu'il y ait des palox pour toutes les cultures et puis là on serait bien.
Des Velox multifruits. Si jamais quelqu'un me sort des pommes pour charger des pommes dedans et tout ça. Je crois que je m'en ferai, il est en train d'en faire en plus. Ça m'a. Ceux du 15, c'est pas le carré, c'était la merde. Et voilà. Bon, du coup, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas besoin de la force, on va la revendre. C'est bien si vous voulez faire un peu d'RP. C'est vrai qu'on pourrait la revendre. Oh, shit. Enfin, bon, c'est un peu normal. Bon, ça va me prendre de la place dans le magasin, quoi. Bon, on va chercher un tracteur. Préférence qui roule vite. Et qui a un bras. Lui, il a un bras, mais il roule pas vite. Lui, il a un bras, il roule vite. Au pire, on va le prendre la fourche, comme ça, on va voir si on peut les prendre avec cette fourche-là. Un beau bruit en plus. Donc j'ai revendu le fen, lui, c'était cette route-là, ouais. Lui, il va peut-être être aussi vendu parce qu'il est pas très puissant, il fait que 90 chevaux. Donc on va voir si, je vais voir s'il va sur le semoir qu'une, s'il va pas, il va dégager. Il a un relevage avant, ça qui est bien. Mais bon, après, voilà quoi. Merde. Eh ben, demi-tour, c'est voilà. Donc si on peut les prendre avec les deux, ce serait le top quand même. Avec le tracteur là. Déjà on va essayer avec la fourche vu qu'on l'a dessus. Ah! Oh nickel, on peut les prendre comme ça. Bon, ça c'est déjà bien. Je m'en doutais à moitié. Et on pouvait les prendre avec l'autre fourche. Par là, on peut pas. On est peut-être du mauvais côté. Par là. Allez, dis-moi qu'on peut. On peut pas. Bon, bah c'est pas grave. Ils seront pris à la fourche du tracteur. Puis voilà. Ils seront pris avec la fourche à bottes. Hein. Et puis en vrai ça doit aussi se. Avec une vieille fourche ça doit se faire, hein, ça doit se faire, tu mets les doigts dans les. Comment ça s'appelle? Simplement dans les trous pour les fourches et puis c'est bon. On va en ramener quelques-unes tant qu'on est là. On va en ramener 3-4. Ça bug, ça sauvegarde automatique, c'est normal. Enfin, ça bug pas tout le temps, mais là, ça fait un freeze. Oh, t'es sérieux, c'était bien, ça me l'a mis là. Je crois qu'il y a un bug sur cette map avec les véhicules. Mais t'es. Oh. Et regardez, là je me mets bien. Regardez. Là, je me mets même comme ça. Je touche plus à rien. Vous avez vu cette écale? Là, je tourne les roues. Je recule, ça se décale encore. T'as intérêt de serrer ton cou, hein.
C'est pour ça que Jérémy était embêté pour ranger les ballots. Alors remarque, moi aussi j'étais embêté dans un champ, c'est pour ça que j'ai laissé faire. Je vais voir si avec le télescopique ça fait pareil, mais ça fait pas pareil, je vais essayer de vraiment trouver un vieux télescopique. J'arrive pas à le sauver le truc du tout, c'est pas grave. On va faire résultat, on repart quelqu'un seul, là, putain. Tout ça pour un palox. Ah ouais. Ouais, bah sinon les tracteurs forts ils ont tous viré, on va juste en garder un, le petit universel pour les. Pour bidouiller un peu et puis c'est tout. On va passer à un télescopique. Bien vu. Je crois qu'ils ont trois. Si vous en avez un vieux télescopique, mettez-le en commentaire. Mettez-moi le lien et puis voilà. Parce que là, c'est pas le top comme ça. Lui, il va rester là. Oui, j'ai un petit New Holland. Oh, il y a un rayon de braquage très petit, donc ça m'intéresse pas trop. Bon, j'ai mon New Holland là, lui. Bon, celui-là, il reste, mais bon, lui qui a votre chargeur, c'est pas grave. Lui, il en a un. Ouais, il va quand même le garder parce que sans l'attelage il bouge. Mettre en route. C'est un tracteur qui a le plus d'heures celui-là. Ah il bouge aussi. Enfin il bouge aussi. Allez hop. On est reparti. Ouais, faudrait que je me trouve. Ah ouais, il y a un Volvo qui est sorti il y a un petit bout de temps. Je sais pas si c'est là encore, il faudrait que je le re-télécharge. C'est un Volvo BM. Les vieux Volvo, t'as les deux roues avant motrices et les deux roues arrière directionnelles comme les vieux Manitou. Si vous voyez ce que c'est, je me rappelle plus du nom des Manitou. Mais c'est un peu pareil, mais en Volvo. Sauf que là, au lieu que ce soit télescopique, vous avez juste... un bras sur le côté. Enfin non, un bras qui passe des deux côtés de la cabine et vous rentrez par devant. Bon, on va s'arrêter là. On va emmener le tracteur là-haut avec le plateau le temps qu'on y est. Ouais. Ah ouais, ouais je vais essayer de le reprendre. Je pense qu'il pourrait être pas mal Volvo pour cette carrière-là. En plus, il date. Donc, en lien dans la vidéo, je vous mettrai les palox ainsi que la fourche. De toute façon, c'est le même mode. Donc, dans vos modes activés, il faut juste activer la fourche et s'activer les palox. Voilà. C'est le même mode où vous avez juste le dessin de la fourche, par contre. Putain. Allez, avance! Ah non, le sac, le DX. Et voilà. Donc là, je mets ça au cochon parce qu'après, je pense faire des cochons. Non, pas beaucoup, hein. Là on a 60 vaches, ouais, on a 60, on va peut-être faire que 40 cochons. En plus c'est pas trop loin donc c'est pas mal. Par contre les moutons là c'est à l'autre bout donc on en fera pas. Faut que ça ramasse l'herbe.
J'ai pas eu les vaches pour faire un peu de fumier. Magique en plus. Ouais, bah dans l'épisode suivant, on fera peut-être du foin. On nourrira peut-être les vaches. Parce que pour avoir les vaches, faut un peu de tout. J'ai un peu de tout. Mais non, faut du courage en fait. C'est ça que j'ai pas. Enfin, non, c'est pas du courage, c'est de la motivation. Non, faut le faire. Yep. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose. Enfin, si, il y a toujours à faire. Oui. Le périsseur va finir de le remplir. Ah, on est déjà 20 minutes plus le reste. Bon, alors on va finir de remplir le paddock et puis après on va se laisser là. J'ai essayé d'aller chercher mon Volvo. Bon, par contre, au niveau des godets, ce sera celui-là du jeu. Là, il peut pas faire grand-chose. Oh la merde. Il ouais, faudra tous les descendre. Oula! Malheureux. Bon, mes amis, on va cesser là. Donc sur ce, je vous dis, aimez, partagez et abonnez-vous. Salut tout le monde!